Bonsoir tout le monde. Nous vendredi 5 juillet 2024. Nous comptons rentrer la CAO dans le sang en collaboration avec VOA Creole pour que nous capables informer de ensemble à point capable dominer l'actualité. Bon, la CAO pas nous avec à l'étranger, mais ensemble à point n'a gagné pour nous développer dans le journal. Là, pas bon, la CAO pas nous gagné groupe appui à rapatrié et puis réfugié qui ont même senti indigné après que gagné deux migrants haïtiens qui joignent l'Amboli en République dominicaine et puis gagné yon haïtienne qui même joignent l'Amboli par rapport avec l'Amosayo, yon senti que yon vraiment indigné. L'autre information que nous pralouen dans le journal aujourd'hui, gagné compagnie avion Sunrise Airways qui yon même annoncé ensemble avec voyageurs qui vol yon après prendre date 15 juillet qui vini là, mais si vol Port-au-Prince, La Havane. Et c'est vol ça yo cap reprendre dans date 15 juillet cap vini là. Et puis nous pral wè information concernant insécurité nèg exam cap opéré dans commune Carrefour, et bien rivé tuer trois moun. Parmi trois moun sa yo genye deux policiers ak yon civil. N'ap rappelé deux policiers yo, c'est deux inspecteurs qui ont même perdu la vie en bas un examen qui a opéré dans un carrefour. La police nationale d'Haïti a annoncé que ils ont posé la patte sous trois présumés trafiquants de drogue dans la commune Belance. Nous n'a pas là trois trafiquants ça eux-mêmes ils ont nommé responsable police dans la commune Belance. Et puis l'autre bord de l'eau, nous parlons information ça gagné un premier ministre britannique là Richie Sunak qui profitait pour excuser et puis lui annoncer démission dans tête parti conservateur après défaite li dans élection législative yo qui t'a fait dans britannique là. Et bien faut nous dit que élection ça qui était faite hier jeudi et premier ministre britannique là Richie Sunak qui lui-même profiter occasion pour que lui capable excuser et remettre démission là. C'est point ça avec plusieurs les autres n'a gagné pour venir développer dans le journal là, mais c'est pas la préposée. Nous donnons après pause là pour que nous capables venir développer ensemble information que nous saute annoncé en titio. N'a démarré avec nouvelle concernant immigration, gagné groupe appui à rapatrié réfugiés et qui exprimé dans notre pour la presse indignation yo après la mort yon haïtienne qui rapatrié et puis assassinat brutal de deux haïtiens en territoire dominicain en date jeudi 4 juillet 2024 là. Jeune haïtienne qui relé Semira Amilien qui gagné 23 l'année, li mouri sous frontière belader là nan mais autorité dominicaine yo d'après ça que gars lui-même li rapporté et qui profite occasion pour que li capable dénoncer banalisation la vie haïtien yo en République dominicaine. L'autre information que nous pralouè dans journal là jodi an, et bien ap mené nou dossier et voyage gagné compagnie aérienne Sunrise Airways qui yo même annoncé que vol yo a reprendre dans date 15 juillet cap vini là, mais si vol entre Port-au-Prince et Cuba vol yo même yo assuré et bien Port-au-Prince dans aéroport Toussaint Louverture là ak nan ville Santiago Camagüey et puis Holguín sous l'île Cuba à yo fréquence hebdomadaire. C'est ça que et bien responsable compagnie aérienne ça Sunrise Airways yo même yo fait connait. Gagné trois moun qui rivé perdu la vie dans la commune Jacmel et trois moun sa yo qui perdu la vie. Faut nous dit que gagné deux inspecteurs en police qui assassiné par balle blessé hier jeudi 4 juillet 2024 dans la commune Carrefour Sénégal exam qui yo même et bien assassiné deux inspecteurs sa yo plus yon civil d'après ça que syndicat national policier haïtien yo Sinapoa fait connait sous compte Xio. Et bien deux inspecteurs yo c'est deux inspecteurs divisionnaires qui relaient Télémac Lozama et puis Yves Nord d'après ça que Sinapoa lui-même li précisé dans notre client
faut me dire que le syndicat police nationale d'Haïti a profité occasion pour que les capables souhaiter condoléances avec famille de policiers Sayo. N'a pas rappelé c'est Télémaque Lozama et puis Yves Nord, eh bien qui eux-mêmes c'est deux inspecteurs qui fait partie de la police nationale. N'a toujours été dans information qui est pour la police nationale d'Haïtien. Cette fois-ci, nous allons parler de eh bien, drogue. Eh bien, la police nationale d'Haïti a annoncé que yo arrêté trois présumés et trafiquants de drogue. Yoreli Absène Fleurimus qui gagnait 16 l'année. Gagné Enzo Romelus qui gagne 50 l'année et puis Rosie Manuel, eh bien trois présumés ça trafiquants ça yo yo joint l'arrestation yo dans commune Belance, yo arrêté dans date mercredi 3 juillet 2024 là agent police nationale d'Haïti yo arrêté individu ça yo à bord de yon Toyota Land Cruiser de couleur blanche qui immatriculé TP 10527, yon quantité de cocaïne qui évalué à 481 millions de 500 goudes et 60 caisses de coca eh bien trouvé dans possession monsieur Sayo. D'après ça, Michael Valesco qui c'est porte-parole institution policière là fait connait après constat gagné un juge de paix qui profitait pour capable remettre trois présumés trafiquants en drogue Sayo avec agent brigade lutte contre trafic stupéfiant pour que suite judiciaire capable en fait jeudi vendredi 5 juillet 2024. N'a quitté information yo bon la kay pa nou pour que nous capable aller à l'étranger. Gagné un premier ministre britannique sortant, n'a parlé de Richie Sunak qui annoncé démission officielle et lui présenté excuses après défaite parti lien face à travail liste yo. Dans l'élection législative britannique, il a déclaré inapte. Moins désolé avant même lui présenter démission avec Rachel 3. Moins tendez eh bien colère nous, déception nous et moins prend responsabilité. Premier ministre britannique sortant, Richie Sunak, a annoncé jeudi vendredi démission en tête parti conservateur là après puissante défaite li dans élection législative. Il profite occasion pour que il capable présenter excuse li eh bien devant britannique yo pendant que l'a quitté Downing Street là, il déclaré moi vle di avant toute bagaille moi désolé, c'est ça que li déclaré sous perron résidence officielle premier ministre avant li aller présenter démission bay gouvernement Rachel 3. Moi bay tout moi même dans travail là, mais moi voyez un signal clair, gouvernement Royaume-Uni doit changer et c'est seul jugement qui comptait après un résultat ça. Moi quitter un poste chef parti pas kounyan, mais une fois que toute bagaille a pris place pour capable désigner un successeur moi, et c'est ça que li fait connait face à un labour triomphant et bien parti conservateur britannique là li essuyé pendant législatif. Pire ça, c'est pire défaite que le parti lui-même ni connaît depuis début 20e siècle. Seulement 121 députés étaient élus contre 365. Ça a gagné 5 l'année sous ancien premier ministre Boris Johnson d'après résultat définitif. C'est avec information ça que nous avons mis un bout avec le journal là. Nous te prenons un pile plaisir pour que nous soyons capables de porter le journal ça pour vous. N'a pas invité rester eh bien poursuite journal là pour capable vivre régional là avec VOA créole. Un grand point cap dominé actualité. Haïti a paré pour marquer 3e anniversaire assassinat et président Jovenel Moïse dans moment gagné un blocage et même un silence dans dossier dans pays. États-Unis élection président Biden a travaillé pour sauver campagne pour réélu président avec une visite dans l'État Wisconsin et puis une interview télévisée. Toujours dans l'international, aujourd'hui vendredi,
Premier ministre britannique là, Rishi Sunak, annoncé démission comme chef parti conservateur après défaite li dans l'élection législative. Et puis au Venezuela, lancement campagne électorale présidentielle là, avec un gros rassemblement président Nicolas Maduro yon bo ak opposition politique là yon l'autre bord. Oui, ici aux États-Unis, 2024 là son année électorale et dans moment n'a parlé là gagnant président Joe Biden lui-même qui a essayé sauver campagne pour capable joindre un deuxième mandat pour la Maison Blanche et dans moment n'a parlé là il trouvait dans Madison dans Wisconsin côté que l'a essayé convaincre électeurs dans Wisconsin et il dit il va remporter Wisconsin une autre fois encore. Sandra Lemaire. Président Joe Biden a tamé une étape importante dans le cadre de la menée pour sauver la campagne réélection qui est en danger. Il y a des gens qui disent que Biden a quelques jours seulement pour convaincre le peuple américain que lui en forme assez pour faire travail président là avant appui démocratique complètement évaporé après une mauvaise performance dans le débat contre Donald Trump. Déjà, il y a quelques gens qui contribuent en pile l'argent dans la campagne qui soit beaucoup bail aucune contribution pour Kounia, ou soit yo annulé marathon yo te gen intention faire pour cotiser l'argent pour campagne là. Biden lui-même admet pendant une rencontre avec gouverneur démocrate que li besoin dormir plus et puis limiter événement qu'a déroulé talent nuit pour li ka en forme assez pour le faire travailler. Christian Gross, c'est un professeur sciences politiques dans l'Université Sud-Californie. He assuaged concerns that governors and a bunch of elected officials have about his performance and Lizzie Biden a essayé soulager que ce gouverneur gagné à coup bon officiel élu gagné par rapport à performance ni dans débat qui pas bon du tout. Même quoi qu'on y a question qu'a posé c'est est-ce que il va convaincre l'autre démocrate gouverneur à membre congrès que il est capable pousser coupé devant et puis représenter parti à l'élection présidentielle là à force. À part ça, il y a une question, est-ce que la bien gérée présidence là? Jeremy Suri lui-même, qui est un professeur d'histoire et relations publiques dans l'Université de Texas, Austin, quoi tout ça fait partie campagne électorale. No, I don't think he's toast. You know, campaigns go through cycle after cycle. Il dit pas quoi Biden boit l'huile. Campagne passée par plusieurs cycles et personne pas qu'a prédit ça quoi le passé. C'est qu'on s'abagaille toujours lié et qu'on y a avec les réseaux sociaux, surtout dans le monde côté bagaille arrivé chaque jour. Et puis leur opposant, c'est Donald Trump, ça connaît qui lui ne parle ouais on observe une vidéo qui vient rapport à l'autre ménage monsieur t'es gagné à sous côté. Gain trois points d'interrogation, mais question. La question qui va continuer à poser, c'est l'état de santé de Joe Biden. L'état qui a remporté l'élection quand même. Campagne qui a espéré débattre après soulager toute la caisse au thé, mais la caisse au thé, ça va continuer chaque jour pour la campagne Biden si monsieur décide de rester dans la course. Pendant un barbecue qui était organisé dans la Maison Blanche pour célébrer 4 juillet avec la famille militaire américaine, Biden a dit qu'il n'y a pas pris aucun côté. I'm not going anywhere. All right. Dans le fin mois de juin, pendant l'étape menée campagne en Caroline du Nord, Biden a essayé de rassurer les électeurs qui connaissent ça l'a fait. I know how to do this job. I know how to get things done. Il dit, je fais job ça, je connais qui j'en fais accomplir des choses. Je connais même gens à plusieurs millions d'Américains qui leur ont tombé ou campé et puis continué gourmet. Président, pour aller mener campagne dans l'État Wisconsin jeudi, vendredi, et puis fait s'y attendre avec journaliste ABC George Stephanopoulos pour une interview que réseau télévision ABC va diffuser à soir dans leur côté plus téléspectateurs à regarder. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Merci Sandra. Effectivement, dans Madison, dans Wisconsin, président Joe Biden fait que ce palais là, il reprend le même discours que le fait dans la Maison Blanche dans l'occasion 4 juillet, à côté que le dit, pas pral en ken côté, il dit que il pral gagner Wisconsin yon l'autre fois encore, la prêter dans course là et il pral remporter la victoire, il dit il bat déjà et ancien président républicain Donald Trump et il pral battre lui encore, il était tout profité attaquer monsieur Donald Trump pour paquet démêlé li gagne avec la justice. Pendant de 4 juillet, ben sans pile célébration, en pile activité marquée journée ça, et ceci comme d'habitude. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. C'est plusieurs millions de monde qui étaient célébré hier jeudi 4 juillet à fête indépendance les États-Unis. Malgré plusieurs côtés dans le pays, il y en bas avertissement qui te fait qu'on est que tu as un gros chaleur. Ça n'a pas empêché moun yo réunir en famille, rassembler ensemble sous plage et puis voyager en foule. Puis al griller toute qualité viande, fait barbecue, cuite manger, participer dans parade, jouer musique, danser, tout ça dans l'esprit joue indépendance des États-Unis. Qui c'est un jour férié côté que nation t'a commémoré signature déclaration indépendance li dans mes pays Grande-Bretagne pour établir les États-Unis d'Amérique. Dans date 4 juillet 1776. Dans Washington DC, ciel l'a été couvert avec fédatifiste qui t'a baillou éclat lumière qui t'a éclairé nuit là en les têtes nationales molles là. Tout partout à travers le pays, sorti Boston, passé Battleboro, Vermont, dans Waco, État Texas, dans Californie, t'es une belle parade, côté que en majorité, moun yo t'es habillé en rouge, blanc et bleu, et yo t'a balancé drapeau pays en commémoration jour indépendance là. Pour moun qui t'a voyagé, yo jou ça yo t'es prévoit en pile trafic avec vol qui rempli à craquer. Gen moun qui t'es bloqué dans l'aéroport yo ak en pile moun sur autoroute yo, avec moun qui yo même yo t'a prend train pour yo aller dans célébration 4 juillet. Service sécurité transport aux États-Unis a rapporté que il y a presque 3 millions de monde qui étaient voyagé dans l'aéroport dans un seul jour semaine passée. Yo arrivé recensé que 60.6 millions de monde étaient voyagé dans machine pendant période fête ça qui pour en pile monde c'est un week-end prolongé jusqu'à lundi prochain. Sous côte les États-Unis monde qui remet ambiance plage yo dans état Connecticut yo, par exemple, parking était rempli jusqu'à toute capacité yo, tellement te gen monde sous plage 3 km ça dans Hamonaset Beach State Park là qui c'est un gros plage sous rivage état Connecticut là. Dans Philadelphia, malgré température chaleur était arrivé dans 90 degrés Fahrenheit, ça pas empêché foule de monde rassemblé sous site historique dans ville là. Côté que déclaration indépendance n'a été adoptée dans date 4 juillet 1776 là. Dans Aswe, t'es un gros feu d'artifice sous Benjamin Franklin Parkway après un concert musique qui te baille par artistes américains Nio à Keisha. Dans ville New York, la tradition feu d'artifice annuel magasin Macy's là, t'es tiré plusieurs milliers de projectiles lumière dans ciel là qui sortit dans Hudson River qui t'éclairait ciel ville Manhattan là, ville Hoboken là, rivé juste dans ville Jersey City. Juste dans le quartier Queens, où tu es capable de voir lumière feu d'artifice éclairé qui t'a explosé derrière Silhouette Empire State Building. Dans l'État Alaska, dans la ville Seward, tu as commencé un feu d'artifice à minuit pendant que plusieurs milliers de personnes t'es rassemblé sur une plage. Mais durée de temps pour te voir belle feu d'artifice dans le ciel là, tu écoutes en pile parce que le ciel là t'es vu fermé. Parce que dans le moment ça, pendant l'année, dans l'État Alaska, le soleil l'a levé à minuit. Jour férié, fête indépendance des États-Unis 4 juillet, généralement c'est un jour qui unit américain yo dans sentiment l'amour ak partage pour pays yo. Mais version 4 juillet 2024 ça vini dans une série de gros défis ak polarisation politique à la veille course électorale présidentielle ça qui marqué par une gros division. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. N'a prêté toujours dans ambiance 4 juillet et nous pralé dans Chicago avec Obed Lamy. Musique, manger, zévatisana, jouet pour tout le monde. C'est l'ambiance bamboche, communauté haïtienne à Chicago, qui est rassemblée l'après-midi 4 juillet pour fêter fête indépendance américaine pendant la célébrer qu'il y a. Événement ça a rassemblé plus passé en centaine grand monde jeune coup de monde. Gérald Daé, c'est monde qui te mette le programme ça sous pied, ça a environ 40 l'année. Et ça c'est une tradition. Je dis, moi je suis tellement content parce que il y a un paquet de qui était parti. Ça a créé Miami, Boston, New Jersey, Las Vegas. Les gens sont tout partout aujourd'hui. Nous avons en pile dans le monsieur qui fait venir. Je vais aller les migrants tout le temps parce que puis faut nous venir en même qu'on est là. So, tout le monde est invité là. Jean-Étienne Lavache rivé États-Unis depuis environ 22 jours après les passer dans plus passé 20 pays. C'est première fois la participer dans fête ça et c'est une bonne façon pour lui faire rencontre à communauté haïtienne et puis reconnecter à Kiltil.
Bon, moi, il y a un sens patriotique. Moi, tout haïtien, en couleur, bien qui a couleur drapeau, moi, drapeau noir flotté, ça vraiment fait bien. Mais à la vérité, l'idée originale du programme, ça, c'est pas vraiment pour célébrer fête indépendance États-Unis. C'est un groupe haïtien qui devait profiter du congé 4 juillet pendant qu'ils étaient réunis dans le quartier pour jouer football et puis danser. Gabriel Altimé, un citoyen haïtien américain qui participait dans la fête ça depuis le commencement, a raconté comment ça a été dans la première année. Bah, nous avons commencé le pique-nique ça. Nous 10, nous 15. Et puis il vient grandir. Et puis quand il vient voir nous à James Park. Parce que avant ça, c'est en face de la caille, il faut qu'on fasse sur Dempster. Et puis quand il y a tellement de gens, quand il vient mettre nous là, dans le plus beau parc. Avec la communauté haïtienne qui a continué à grandir chaque année dans Chicago, le festival 4JS a tourné plus passé une simple célébration. Mais on fait son tour pour la communauté à rappeler contribution dans l'histoire États-Unis et puis réclamer place dans la société américaine. Je crois que c'est l'indépendance américaine, mais haïtien fait un pile pour les Américains tout dans la bataille Savannah en Georgia, qui veut que nous, vérité, nous avons le droit pour nous faire, pour nous célébrer tout ça. Tout. Parce que nous perdons le monde pas nous dans la célébration, dans la bataille. Ça. Obed Lamy pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons bouclé chapitre sous qui gagne rapport avec 4 juillet et qu'on y a nous pral retourner dans l'actualité internationale là qui mène nous dans la Grande-Bretagne côté Premier ministre Rishi Sunak annoncé démission li comme chef parti conservateur après défaite li dans l'élection législative. Serge François Michel. Leader parti travail Keir Starmer, tourné premier ministre Grande-Bretagne, quelques temps après parti a remporté en victoire Lavalas. Starmer mené parti liant tourné dans le gouvernement après moins que 5 années depuis qu'il a subi plus mauvais défaite li dans presque un siècle. Mais parti travail là fait face tout à qu'aucun travail qui s'est rebaillé économie en jarrette et puis poté espoir pour nation qui décourageait à gouvernement. Leader conservateur Rishi Sunak, dans discours à Dieli, il te dit qu'il comprend le collègue électeur et qu'il prend responsabilité pour la défaite. Là. Après ça, il est allé dans le palais Buckingham non? Et puis présenter des missions par Charles III. Premier ministre Keir Starmer a invité le peuple à camper avec lui dans la mission qui s'est refait nation pour mettre tout neuf. C'est ça, il dit dans le premier discours officiel li, après victoire Lavalas, parti travail. Là. Il y a un mandat comme ça venu à co-responsabilité. C'est comme ça que Starmer parle avec supporter. Il y a un côté, il dit bataille pour rebâiller le peuple à confiance. Là. Après des années, quand il a perdu tout espoir, c'est bataille ça qui pourra définir l'époque noire. Mais mon bâtiment qui parlait avec précaution, qui démène campagne sous base pour éviter danger, ça va aussi pour un pile groupe dans la communauté business là. Et bah, il y a un endossement journal qui a une tradition conservateur. Parmi eux, le journal Tripotage Sun, qui c'est business grand propriétaire média Robert Murdoch. Serge François Michel, VOA Creole. L'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est le lancement de la campagne électorale présidentielle dans le pays Venezuela. Côté pouvoir, descendre dans la rue et opposition à tout descendre dans la rue pour ouvrir la campagne électorale. Là, on a le droit à près. Président Nicolas Maduro bail coup d'envoi campagne électorale liée à qui ont hommage pour défunt président Hugo Chavez quand il a utilisé musique campagne défunt en 2012. C'est plusieurs milliers monde tout rouge avec drapeau dans main yo, photo défunt président Chavez avec photo président Maduro, yo même yo était foulé béton président Maduro. Hoy arrancando la campaña electoral. Jodi a nous commencer campagne électorale là et Chavez doit monter sur podium nan avec musique inoubliable ya. Enchanté avec Chavez Corazón del Purebro. Président Maduro dit yo pral remporter yo coquin victoire 28 juillet k'ap vin la parce que li même ak peuple la c'est force l'histoire. Cependant la plupart sondage yo mette opposition nan tête intention vote yo. Opposition la gay yon paquet accusation sous do pouvoir d'après yo qui a fait persécution politique côté yo fait arrestation harcèlement sous commerçant k'ap travay ak opposition. Opposition li même tout li en bas accusation d'est-ce que la fait complot et la commettre zak terroriste
d'après pouvoir. Ayon mois élection yo nan Venezuela, an pile question à poser. Est-ce que par exemple Edmundo González Urrutia, candidat improvisé opposition politique là, apparaît dans machine électorale yo? Est-ce qu'il apparaît dans urne yo? Est-ce que président Maduro gen capacité pour mobiliser maximum moun pour venir voter pour lui 28 juillet? Yon l'autre côté, partisans opposition te descend en masse dans la rue sous béton. Chef opposition Maria Corina Machado ak remplaçant nan Edmundo González Urrutia te paraît main dans la main dans mitan yon paquet foule et madame Machado te prend la parole. Nous comptons pour nous voir ça qui a passé jodi dans Caracas. Nous connaissons tout Caracas en bas en pile pression politique, menace et violence. Ça nous est là, c'est une apothéose. Une lavalas moun qui traverse Caracas et tout pays a et en même temps. Madame Machado, qui a 56 ans, ajouté, ça lui est là, c'est une démonstration qui veut dire que peuple vénézuélien déterminé pour gagner un changement profond dans le pays. États-Unis te suspend quelques sanctions contre l'industrie pétrolière Venezuela après que le gouvernement Maduro et l'opposition te d'accord en Barbade en octobre 2023 pour gagner une élection libre et équitable dans le pays en 2024 en présence d'observateurs internationaux. Mais sanctions ont été rétablies après que Machado et un pilote membre de l'opposition politique là pas de autorisation pour participer dans l'élection. Dimanche qui saute passé là, observateur Sant Carter, qui est basé aux États-Unis, à qui un groupe expert l'ONU t'a supervisé une activité électorale. Pays voisins Venezuela, tant que Brésil et Colombie, fait voyou fait yon seul pour demander élection 28 juillet pour yon libre et démocratique parce que yon même yon gen crainte pour yon vague immigrant pas débarquer sous territoire yon. Donc, on va voir ce 28 juillet pour élection présidentielle dans le pays Venezuela. Pendant ce temps, il y a Ouagan Beryl qui est toujours en vie et l'a menacé plusieurs pays, parmi eux Mexique. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Puissance destructive Beryl, qui arrivait bien bonnet dans la saison cyclone, montrait conséquences de l'océan Atlantique qui tape chauffé. Et spécialiste la science dit. Participation moun yo nan changement climat alimenté mauvais temps. Directeur Centre National Cyclone Américain Michael Brennan te averti gros inondation. Beryl is again quickly moving west northwest. Beryl déplacé bien vite dans l'ouest pour aller dans nord-ouest côté Ukawe, côte là nan péninsule Yucatan ici là. Nous ta ka gen kek gros la pli. Mais nous espérons quelques quantités isolées qui arrivent jusqu'à 10 pouces dans quelques parties dans Yucatan. Yon tijan raisonnable dans Sid Cozumel ak zone Cancun. Qui donc combinaison précipitation ça ak vague tempête là dans zone côtière yo capable créer gros inondation. Pi gros destination tourisme Mexique te mette sous alerte rouge bien bonnet jeudi vendredi 5 juillet 2024 là. Cyclone Beryl, qui te vin intensifié nan yon tempête catégorie 3 hier jeudi, te frappé pi gro espace touristique Mexique yo. Après li te fin passé sous île Caïman yo ak Jamaïque. Ak gros vent qui te détruit building ak pied bois te déraciné. Environ 3000 touristes évacués sorti nan Isla Mujeres nan terre principale là, tout près Cancun. Pendant que au moins 100 vols te annulé nan aéroport international Cancun. Mwen pa konnen si yon tempête ta privé. Mwen pa gade nouvèl yo. Donc, mwen pa te rann compte. Mwen te supposé voyager al Belize demain, mais mwen ka ale pita. Résident Tulum nan Sud-Est Mexique te préparé hier jeudi 4 juillet pour rive cyclone Beryl. Résident local yo qui gen expérience dans protection tempête te allié nan yon station gaz pour remplir tank ak réservoir supplémentaire. Pendant que hôtel ak complexe touristique yo te retiré meb ak en pile équipement. Ya tenemos un poco experiencia en nous gen kek expérience ak cyclone. Nous protéger tête nous nan acheter provision, remplir tank gaz la, protéger fenêtre ak porte nou yo, nettoyer la cou nou yo. C'est comme ça nous protéger tête nous attentifs à instruction autorité yo. Garde national mexicain te déployé pour bay sécurité dans station gaz et puis pour aider résidents yo nettoyer la rio ak débris dangereux tant kou vite ki cassé. Tempête là qui te derrière yon sentier destruction qui touye moun nan plusieurs îles Caraïbes là tant kou Jamaïque,
Grenada, Saint-Vincent ak Grenadine ak Nord-Venezuela nan jou ki sot pase yo. Prévision météo yo di ke tempête la ap déplacé nan direction nord-est Mexique ak sud Texas nan fin semaine. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Au toujours sous VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtienne. A pas entré dans l'actualité à concernant le pays d'Haïti, côté partisan, président Jovenel Moïse, prévoit organiser diverses activités dans Port-au-Prince pour marquer 3e anniversaire assassinat président et Jovenel Moïse. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 3e anniversaire de la mort président Jovenel Moïse, là, c'est pris le dimanche 7 juillet qu'a venu là. Dans l'occasion triste événement ça, partisan feu président compte organiser une pléiade d'activités dans la capitale haïtienne, Rosemont Jean. Samedi 6 juillet, de 8 à 10 heures du matin, nous avons une messe dans l'église Christoua. Et dans la soirée, dans samedi toujours 6 juillet, devant le président, nous avons une mini-veillée patriotique. 7 juillet, devant le président, de PLR5, nous avons un ensemble d'activités. Nous avons nous dans des journées d'activités. Activiste politique, il regrette 3 années après l'assassinat. Autorité haïtienne n'a pas arrivé à faire rien pour mettre en bas code criminel et traîner devant la justice. Cependant, il était croit la justice américaine agit différemment dans le cadre de traitement de dossier. Dans 20 pas qui doit faire, la justice américaine fait 6 pas parce qu'il y a 6 criminels qui sont condamnés. Mais nous étions 14 grands assassins système non qui d'ailleurs. Jean-Laguel Civil, bon côté pal, ancien coordonnateur sécurité présidentielle, exprimé lui dans l'occasion 3e anniversaire ancien président. Les dénoncer Aïssa Chorli et vise des formes qui gagnent dans l'enquête, les considérer comme politiquement orienté et injuste. Il affirme que véritable coupable est toujours en liberté, tandis que innocent yo tant que lui-même a boué prison. J'ai la guerre civile mandé une révision sur enquête et libération tout détenu innocent yo. N'a pas rappelé dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, yon commando était entré en dans résidence président haïtien Jovenel Moïse dans Pèlerin 5 et carabiné ni avec plusieurs balles. Madame Nimatine Moïse était blessée. Assassinat ça nourrit climat insécurité qui a régné dans le pays selon divers observateurs. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et actualité à Konya mené nous dans département nord pays à côté yon magistrat dans ville Cap-Haïtien a PC convainc compagnie avion Spirit Airlines pour pas réduire quantité vol yo dans au airport au Cap-là selon magistrat en pile haïtien gain pour entrer dans pays en période vacances. Un reportage Gérard Maxino. Malgré pays en bouleverse, c'est en pile compatriote qui a entré été ça dans airport Cap-Haïtien. C'est dans même période ça que compagnie avion Spirit Airlines veut réduire la quantité de vols gagnés dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Une décision qui fait magistrat en après ville Cap-Haïtien Patrick Almodo a rencontré avec un responsable compagnie avion Spirit Airlines une façon pour capable tourner sous décision ça parce que selon magistrat c'est dans moment ça haïtien plus rentrer dans pays d'Haïti. Spirit gagne 2 vols sous Cap-Haïtien. Il y a un vol qui est arrivé vers 10h. Comme ça, il y a un 2e vol qui est arrivé vers 1h30. Côté que et c'est normal. Je dis, on va avoir demande mairie à te faire et que eux-mêmes ils ont agréé. Mais maintenant, il y a des petites discussions qui ont fait tout parce que et probablement, et vol, 2 vols ça sont capables jusqu'au 9 juillet. Mais pour nous-mêmes, nous trouvons que qui n'a pas plaidoyer actuellement là pour nous regarder comment Spirit a fait 2 vols pour nous-mêmes. Parce que nous parlons de nos périodes pic, nous connaissons le nord, potentialité de l'effet champêtre. Lors entre le mois juin et septembre, c'est un moment où la diaspora, surtout, vient en pile dans le noir, vient dans l'effet champêtre. On va rentrer dans la limonade, on va rentrer dans la plaine du nord, on va rentrer dans le bout de mer limonade, on va rentrer dans la Sainte-Rose. Ça veut dire qu'on vole une fête qui va le faire là, côté en pile monde dans la diaspora va rentrer. Et nous ne pouvons pas avoir que y a une pression pour rejoindre vol et autant de fois il y a plus de vol, il y a plus de possibilités pour que le coût et billets moins élevé par rapport à
ça va avoir comme challenge en termes de pression si que pas gagner plus et donc on est concurrence dans lui-même plus que gagner plus activité et puis intéressant. Et ça fait que nous avons fait le doigt auprès de Camilo pour nous garder comment il est capable de faire deux vols sur Cap Haïtien, notamment entre juillet et août, pour nous garder, pour que nous aider et les gens qui sont dans la diaspora qui sont intéressés à venir. Et les gens qui sont Cap Haïtien, qui veulent voyager tout, ou bien les gens qui sont dans Biden, qui sont capables de plus de chance pour partir. Selon le magistrat, tout le temps, il y a plus de vols qu'il y a fait dans l'aéroport de Caplan. Abgen, plus diaspora qui entre vin wè fami yo et puis vin participer nan fèt champèt yo. Jira Maxino Cap Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Maxino et nous avons rendez-vous hebdomadaire. Donc chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec Jude Deonceré qui va parler nous de ce qui a passé dans HMI, là, ça veut dire dans l'industrie musique haïtienne. On a rejoint Jude. Samedi qui s'est passé là, groupe musical New Look était en performance dans Margate, État Floride. Just là, t'es joué Before Music qui sous le dernier album ni y inclut des anciennes musiques qui étaient arrivées sous public là. Un moment qui était bien important dans la soirée, c'est lorsque Yvon André, alias Capi, du Tabou Combo Superstars, était invité sur le podium pour chanter avec Ali La Rivière. Après performance, nous avons demandé Capi du Tabou Combo, ça veut dire pour lui, chanter yon musique Tabou Combo avec New Look. Et Maïsou Ali La Rivière était invité à me faire un jam avec eux. Donc c'était un honneur pour lui pour te présenter, bas public là, et puis pour lui annoncer que ça le dit, Tout ça nous l'a fait qu'on y a un tabou combo te fait déjà. Et me senti heureux pour moi-même de participer à la soirée ça. Et puis pour me défendre avec nous look qui est un groupe haïtien qui est très très valable. Voilà. Nous t'ai parlé tout avec André Desjans qui est musicien groupe musical New Look qui t'a manifesté satisfactionné après performance là. Et moi t'ai toujours attendu que le public là pral bien apprécier et prestation à soi. Surtout avec nouveau CDA qui sorti. Donc, nous devons attendre ça. Dans le finissement de soirée, nous te prenons opinion quelques mélomanes parmi nous, Dado DYS, animateur culturel. Et Diaz l'a plus en confiance avec un nouvel album. Et fanatique nous qui mettez Diaz en confiance, au capable de sentir généralement, c'était famille qui était présent et les motivés musiciens. Donc, au capable de gagner plus d'énergie et donc, yo défoncé yo et ont une belle prestation. Si vous me dites j'aime bien le ou pas comprendre parce que j'ai presque au moins 4 ans m'a marché dans jazz là. Pas j'aime pas là. Dominicaine là, New York là. Que croisière nous l'a fait avec pour anniversaire aller la rivière moi là. Palladium moi là, Zénith moi là. Roadrunner moi là, Florida moi là. L'autre nouvelle pour journée jodian, Oswald Clairveus, alias Oswald, chanteur, compositeur, musicien, sorti un album tout neuf qui portait nom Oxygène et qui gagne 14 musiques sous lui. N'a fait connaître que gagne 3 artistes invités sur l'album non, Chaba qui chantait musique qui portait nom Bouléon Cob, Rochelle Guillaume qui chantait Crasé avec rappeur Steve J. Bryan qui chantait Perdi Contrôle. D'après ça, nous arrivons constater. L'autre nouvelle souvée d'être dans la musique haïtienne, maestro guitariste Ronald Smith confirmé pour VOA Creole dans une conversation téléphonique, groupe musical Extrême Musique qui était fondé dans Miami, pas existé encore. Ronald Smith annonçait qu'il y retournait comme deuxième guitare dans le système Ben de New York, bon côté Reginald Benjamin. Retour effectif dans le système Ben de New York à partir du mois de juillet 2024, d'après sa artiste la déclaré ben nous dans le téléphone. Merci Jude, bon week-end tout le monde. Non Pam, c'est Jude, on serait pour VOA Creole, Miami. Bonsoir amis internautes, comment nous y est? À chaque fois que nous rejoignons, nous toujours contents
Eh bien, pour que nous capables de venir informer, pendant que nous toujours contents pour nous venir informer, mais au même tout, pour faire que nous contents, à chaque fois que l'information arrive à nous, ou à pour faire un seul bagage, ou à prendre l'information, ou à partager, ou à abonner, si toutefois vous pouvez faire ça, eh bien, nous toujours disons, c'est la meilleure plateforme pour être capable de rester informé. Aujourd'hui, nous allons parler de un pile causé, nous allons parler avant de un pile information aujourd'hui. Faut nous dit que première information que nous allons partager ensemble avec nous, jusqu'à présent, nous connaissons une force police kenyane qui rentrait dans le pays. En pile, nous avons posé question, qui sa police sa ou même yon vine régler dans le pays? Eh bien, rete là, nous avons la bonne information qui sa que, eh bien, policier kenyan yon même yon vine régler dans le pays. Deuxième information que nous allons partager ensemble avec vous, amis internautes, eh bien, nous allons parler de chef gang sa qui relè Jimmy Cherizier Barbecue. Eh bien, Jimmy Cherizier Barbecue, il fait une autre sortie et à travers sortie ça, li nous capable li dans une vidéo côté que li adressé spécialement avec directeur CNE. Depuis semaine passée, nous connaissons CNE l'agricole dans une vaste opération de nettoyage. Eh bien, Jimmy Cherizier li mandé directeur CNE pour le passer dans base, eh bien, vivre ensemble yo pour que yo capable faire nettoyage parce que li jugé que eh bien base ça yo vraiment sale tant coup pétident. Troisième information que nous allons voir ensemble avec vos amis internautes, eh bien, nous allons parler ensemble avec nous de l'insécurité qui gagne surtout dans la zone Kafou, en dans la base, eh bien, un petit monsieur, 103 zombies, eh bien, nous l'autre pas encore, si monsieur dans Kafou, il a frappé, hier, il a fait 3 morts, et dans 3 mois que il a fait, gagne 2 policiers là-dedans, n'a vu de bon détail, n'a vu une bonne preuve et n'a vu ensemble avec vidéo par rapport ensemble avec genre de action ça que si monsieur eux-mêmes y ont posé dans Kafou et journée aujourd'hui en pile monde dans Kafou que yo en bas biscuite par rapport avec genre situation lui-même lié. N'a commencé ensemble avec première information pour n'al parler de si monsieur policier kenyan yo. Nous capable constater que dans l'écran là sous vidéo, nous voyons un policier qui mettait à genoux. Ce n'est pas un militaire, mais pourtant, c'est un policier. Et c'est un policier qui fait partie de force multinationale kenyan qui rentrait en Haïti. Qui véritable mission, monsieur Saï? Si c'est vrai, dans un premier temps, information a été fait quoi que monsieur Saï rentré dans le pays pour être capable de vivre une bataille ensemble avec gang, pour être capable de vivre une bataille ensemble avec si monsieur vivant ensemble, de temps en temps, en pile, moun ka constaté que c'est presque chaque jour, depuis les messieurs Ovini, il a fait patrouille, il a monté descendre, il a plané avec grosse dame dans les mains. Pendant que vous dites, il a obtenu l'ordre de la police, est-ce que c'est la police qui dit que, bien, yo doit être la caillou toujours, yo doit être dans la base toujours, ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui décident de pas sortir? Je n'ai pas regardé là, dans l'espace que nous ouais, monsieur, oui, là, eh bien, c'est dans la zone ambassade américaine. Jodi vendredi, en pile, monde est capable de constater que présence plusieurs policiers kenyans dans la zone ambassade américaine. Pas oublié, amis internautes, information te fait quoi que monsieur Sayo yon rentre dans le pays pour yon vin sécuriser des infrastructures dans le pays. Même que en après, l'autre information ta fait qu'on est que monsieur yon vin bataille contre gang. Récemment, faut nous dit que genye premier ministre Gary Conille pendant que li nan yon interview, li bay vrai objectif monsieur yo. Vrai objectif monsieur yo par l'autre que accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti nan bataille que yo gen pou al faire contre monsieur Axamio, monsieur qui an dan structure ça qui rele vivre ensemble. Et bien, si toutefois, yo gen pou accompagner la police dans la bataille, jusqu'à présent, qui ça qui fait que la police poko capable de mener opération dans le foyer de gang yo?
Jodi a qui raison qui fait que jusqu'à présent si monsieur Sayo, si monsieur policier kenyan yo y a monté des tonnes tribord et pas bon mais avec gros armes nan men yo y a défilé y a montré que yo gen zam yo vinn garder pays an yo vinn faire touriste pendant que jusqu'à présent monsieur Axamio yo continue à frapper. Faut nous dit nous toute semaine dans là eh bien monsieur Belerio yo décidé pour faire yon poté bourré eh bien sous Solino. Habitant Solino, habitant Delma 24, yo obligé lancer des alertes vis-à-vis avec des attaques que monsieur Vivant Samyo, eh bien monsieur Belerio objectif yo c'est rivé touye tout moun an dan Solino, c'est rivé pran zone Solino pour que yo capable diriger et habitant Solino obligé lancer des cris vis-à-vis de la police nationale d'Haïti, vis-à-vis de eh bien directeur général police nationale d'Haïti en a parlé de eh bien Normil Rameau. Kounya la information te fait quoi que policiers kenyan yo yote au nombre de 400. C'est ça que Premier ministre Garry Conille li te fait quoi? Li te partager ensemble avec nous comme information. En pile moun capable constater que automatiquement Garry Conille li rive États-Unis nan interview que li t'a bay la pendant que li nan réunion eh bien ONU Garry Conille dit policiers yo au nombre de 200 ou bien plus que 200. Ni impression même premier ministre li pa konnen ki quantité maintenant policier kenyan ki te doit rentre en Haïti ki quantité ki déjà dans pays. Et depuis là monsieur vini c'est comme si c'est un pays yo te besoin vini yo pa konn yo tap tan ki lè pour juste arriver pour yo te capable vite découvrir pays ça qui relé Haïti. Pas oublier nan yon émission avant mwen te di nou que jodi an la monsieur ta prié en pile pour yo te capable quitter Kenya pour yo rentrer en Haïti même que yo apprendre que situation li pas douce en Haïti mais situation li pas douce tout au Kenya par rapport avec vague de mobilisation qui gagne nan pays Kenya et vague de mobilisation c'est pas des mobilisations pacifiques. C'est des mobilisations qui vraiment gain en pile pression, c'est des mobilisations côté que population décidé affronter la police. C'est des mobilisations côté que population obligé des fois utiliser bouteille, utiliser wash contre force de l'ordre. Par rapport avec gens que yo obligé réagir Jean Yop agit fait que policiers kenyans yo obligé poser des réactions. Et moi t'a dit nous ça dans émission dernièrement que la police t'a tué yon civil. La police kenyan t'a tué yon manifestant. Et par rapport avec action ça, et mais faut nous dit que eh bien gagné droit de l'homme international qui t'est obligé réagir par rapport avec réaction ça bon côté la police qui fait que policier ça qui t'a tué civil là pas rien qui dit que li pas prendre en prison. Eh bien monsieur policier kenyan yo t'a prendre jour ça pour te rentrer en Haïti si c'est vrai mission yo c'est vinn porter la main forte avec la police nationale d'Haïti ainsi que l'armée d'Haïti, eh bien jusqu'à présent, y a calé ouest, y a fait touriste, y a monté descendre dans pays an. Yo poko ka rentrer dans foyer de gang yo. Est-ce que véritable objectif mission, est-ce que population pas menti sur ça? Est-ce que yon pa bay population haïtienne nan mentor sous véritable objectif mission? Parce que nous voyons que n'a regardé sur écran là plusieurs policiers kenyans eh bien yon pa ni yon ni de côté yon devant ambassade américaine. Est-ce que c'est par rapport avec
bien monsieur Vitelot innocent nous connaît qui dans deux ambassades là qui dans eh bien paramètre ambassade américaine. Est-ce que c'est pas contrôle, eh bien, premier foyer de gang ça que monsieur policier commence à venir prendre? Jusqu'à présent, on a posé des questions. Mais c'est devant l'ambassade là que vous voyez. Et par rapport avec présence depuis hier et jeudi vendredi, eh bien, monsieur gang yo, yo obligé de replier. Parce que, faut me dire, nous, machine pas de compte passer devant l'ambassade là. Devant l'ambassade là, c'était un côté qui était pratiquement désertique. Et par rapport avec l'arrivée de monsieur Sayo, eh bien, machine commençait à passer, commençait à gagner espoir devant l'ambassade là par rapport avec machine qui passait à l'aise. Faut nous tonne. Tonne pour combien de temps? Tant pour combien de jours, pour combien de mois, pour combien d'années. Mais premier ministre, Gary Conille, il n'a pas mis la population en confiance par rapport avec la vraie mission M. Sayo. Lorsque que le premier ministre a déclaré que M. Sayo vient pour porter la main forte ensemble avec la police nationale d'Haïti et l'armée, dans quelle opération deux institutions Sayo a mené, la population a été sous doute. Parce que la population connaît que la police, ensemble avec l'armée, la situation qui est là, yo pas qu'à résoudre. Si yo te qu'à résoudre, yo pas besoin de demander la main forte avec yon mission. Yon mission qui a gagné plusieurs pays la donne, yon mission qui a gagné la police et l'armée, plusieurs pays la donne, pour venir aider la police nationale d'Haïti, d'ailleurs qui pas de moyens, qui pas de matériel pour rentrer dans le foyer de gagnant. Si c'est vrai, la police nationale d'Haïti possède plusieurs blindés, eh bien, nous capables, pendant plusieurs fois, les blindés sont rentrés dans le foyer de gang, eh bien, le plus souvent, ils sont toujours sortis. Soit ils sont sortis endommagés, ou bien ils sont pas sortis même, ils sont boulés. Et dernière date là, c'était Delma 18. Avant Delma 18, là, on dit que, gagnons blindés, eh bien, si monsieur, c'est trois zombies, t'es boulé pour la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti qui voit que li pa ka rete dans une situation pareille, côté que plusieurs nan matériel li yo a endommagé ou bien a perdu, eh bien, par rapport avec monsieur vivant Samyo, yo décidé pour que yo capable faire un appel vis-à-vis de, eh bien, yon force multinationale. Et force multinationale ça, si c'est vrai, li rentre dans le pays, mais qui ça yo a réglé? Mesdames et messieurs, amis internautes, mais qui s'est réglé? C'est touriste posteur que vous venez faire. Quand y a la banque fonti qu'a payé mais ça, policier ça qui mettait à genoux. Est-ce que c'est un policier qui en position de tir, non pas quoi? Ou bien est-ce que c'est show off le fait que liwe des confrères journalistes, liwe des journalistes photographes? Mais lui tomber pour faire poster pour le capable faire show off. Parce que en d'accord avec pas gagner difficulté vrai. Pas gagner danger dans position ça. Dans espace que lui a c'est vrai, espace sans son espace qui très dangereux. Mais pour autant pas gagner danger. Le fait que pas gagner danger, les policiers arrêtés comme ça, lui voulait dire ça, voulait dire hein. En tout cas, je pense que le peuple haïtien pral tann en pile. Parce que je ne crois pas que l'opération de la police nationale d'Haïti li pral mené jodi an la nan foyer de gang yo. C'est une des raisons qui fait que eh bien, nous dit que le peuple haïtien pral obligé tann en pile. N'ap kite si monsieur touriste Kenyan yo. Pour nous parler de yon puissant chef de gang, eh bien, il parle l'autre que Jimmy Cherizier dit barbecue. Jimmy Cherizier barbecue, depuis plusieurs jours, M. Sagi a plusieurs sorties que l'a fait. Et toujours dit nous dans la vidéo que Jimmy Cherizier n'a pas bataille seulement avec Zam.
Si c'est vrai, li utilise des armes pour la bataille, mais li utilise yon l'autre zam qui nan communication, c'est la parole. Li pose des actions. Pendant ce maintenant, Genye Kington lui qui c'est directeur général CNE, Centre National des Équipements, eh bien, qui lance yon vague opération CNE la caillou. Et par rapport avec vague opération ça, li joine support yon certain de Magali habitant. Côté que, eh bien, CNE pral rentrer dans plusieurs quartiers pour capable faire nettoyage. Par rapport avec vague opération ça qui lancé hein, eh bien Jimmy Cherizier dit barbecue, li profiter, li fait CNE yon demande. Et demande là li pa l'autre, li mande CNE pendant y a nettoyer, passer dans zone eh bien vivre ensemble yo, passer dans foyer de gang yo pour que yo capable faire nettoyage parce que zone ça au sale tant coup pétident. M'bra l'invite nous tande Jimmy Cherizier barbecue qui lui-même voyait un message bien spécifique ensemble avec directeur général CNE. On a l'tande barbecue. À chaque fois que vous regardez la vidéo, ça ne va pas avec nous. Même j'espère que vous avez vu la vidéo à Jimmy Cherizier barbecue, Cafo Aviation là. Ok, nous-mêmes, Jimmy Cherizier barbecue. Et bon, font parler avec nous. Bon méchant, cap dirige pays, ça va me montrer nous. Nous sommes là, nous aviation. Ok, monsieur. Mais comment nous avons aviation? Ok? Mais comment nous avons est-ce que nous avons fait aviation? Oui, malgré que nous avons ramassé ma haine en fatra, pour le pays. Ok, monsieur. Mais nous avons aviation. Là, nous avons aviation. Ok? Des femmes tout droit net et grand, oui. Ok? Là, il devant ces gens parce qu'on a regardé là, il est grand, oui. Mais qu'a fait aviation? Nous, j'ai qu'a fait aviation, hein? Nouvelle? Nous, qu'a fait aviation? Et, ou méchant qui a planté, ou vraiment, et que vous tuez mon quartier populaire. Mon quartier populaire, nous mourons déjà. Nous mourons déjà. Est-ce qu'on comprend? Vraiment, on vient tennis malheureux dans le pied qui vend $250 américains. Ouais, dans Fatra, on a marché avec elle. Et dans la boîte, on a avec elle. Venez. Ok, nous aviation. Est-ce que nous aviation? Mais qu'a fait aviation? Mais comment lié? Est-ce que nous est grand rue? Nous est qu'a fait aviation? Venez. Maintenant, qui est allié? Ok, monsieur. Est-ce que nous avons qui est allié? Puis devant là, il y a un monument de saline contre Papa Nation. Vous comprenez? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de demander l'amour pour nous. Venez, mais qu'à faire aviation. Mais exactement, nous avons mis un cafou. Venez. La bouffe, la grave, mais ça nous offre payant. Malgré le dernier décret. Vous comprenez? Regardez, malgré. Ah, la prima, c'est la boule à l'avenir. Venez. Papa, c'est pas pour Alphon, papa. Vous comprenez? Malgré le dernier décret. Est-ce que vous comprenez? Venez. Voilà. On monte d'elle à droite. Je ne vais pas prêter. Nous devons juste nous montrer. Nous. Ok? Là, on comprend. On monte d'elle à droite. Venez, monsieur. Ok? Papa, il nous menti. Venez, mes pays. Vous n'avez pas besoin de faire nous paix. Et moun mouri nous est déjà, ok? Nous mouri. Ah, c'est pour nous pas venir faire nous paix. Venez. Voilà. Ça c'est Jimmy Cherizier qui lui-même t'a fait vidéo ça pour le capable adresser avec directeur général CNE. Là la montre quartier populaire yo, surtout foyer de gang yo. Quartier qui gen foyer de gang yo. Qui sale tant pou pétident. Nan ki objectif? Est-ce que nous pa wè c'est un sorte de communication di Michel Rizier montrer que quartier populaire c'est moun ki la dan yo tout et c'est pour moun sa ou la bataille,
c'est champ de bataille ça ou l'a mené. Parce que li dit dans la vidéo. Li dit dans la vidéo. Les nous préparer pour nous voir pour nous touyer, pour nous tirer moun sa yo. Moun sa yo c'est des moun qui mouri déjà. Me répéter parole Jimmy Cherizier dit. Nan ki objectif Jimmy Cherizier li fait sortir ça. À chaque fois que regarde vidéo, ça va pas avec nous. Même j'espère que vous avez fait vidéo à Jimmy Cherizier barbecue. Cafou aviation là. OK? Nous-mêmes, Jimmy Cherizier barbecue. Et bon faut parler avec nous. Bon méchant cap diriger pays ça, bon montrer nous. Nous elle là Cafou aviation. OK monsieur. Mais comment Cafou aviation? OK? Mais comment on a pris? Est-ce que nous avons fait aviation? Oui, malgré que nous avons fait un fatra pour le vendre un pays. Ok, monsieur. Mais qu'a fait aviation? Là, qu'a fait aviation? Ok? Des femmes tout droit net et grand, oui. Ok? Là, il devant ces gens parce qu'on a regardé là et grand, oui. Mais qu'a fait aviation? Nous avons fait aviation? Noël? Nous avons fait aviation? Et. Ou méchant qui a planté, ou vraiment, et que vous tuez mon quartier populaire. Mon quartier populaire, nous mourons déjà. Nous mourons déjà. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, on vient tennis malin, et dans Pim, qui vend $250 américains, ouais, dans Fatra, dans Machavel, et dans la boîte, il y a un là. Venez. Ok, nous aviation? Est-ce que nous aviation? Mais qu'a fait aviation? Mais comment lié? Est-ce que nous sommes rue, nous sommes à l'aviation? Venez, maintenant qui est allié? Ok, monsieur. Est-ce que nous sommes qui allié? Puis devant là, il y a un monument de salut pour le Papa Nation. Vous comprenez? Ça veut dire que nous pas besoin de demander le mot pour nous. Venez, mais nous sommes à l'aviation. Mais exactement, nous sommes à l'aviation. Venez. La bouffe, Fatra. Mais ça nous offre pays. Malgré le dernier décret. Vous comprenez, regardez. Malgré. Bah, la première là pour l'alphane. Oui. Venez. La première là pour l'alphane, papa. Vous comprenez? Malgré le dernier décret. Est-ce que vous comprenez? Venez. Voilà. Vous montez d'elle ma droite. Je vais prêter. Nous devons juste montrer nous. OK? Voilà. Eh bien, Jimmy Cherizier fait sortir ça, c'est par rapport avec information que lui recevoir, eh bien, CNE gagne une opération que a lancé, qui gagne une opération que a lancé qui est le CNE la CAO. Lui ouais, il a nettoyé plusieurs zones. Eh bien, comme véritable leader, eh bien, lui fait vidéo hein, dans souci pour que autorité soit capable de nettoyer tout. Peut-être que je ne connais pas qui ça qui est. En tout cas, il était pour nous suivre, pour nous. Et vraiment vrai, les zones sont très sales. Ils sont très sales. Je pense que c'est un des gens qui habitent là-dedans. Il y a des gens qui vivent dans zone ça. Il est important pour que le CNE est capable de nettoyer les zones. D'ailleurs, et Magali habitant, je vois que il fait partie de l'équipe ça, l'équipe CNE qui a fait le nettoyage. Eh bien, il te dit, il va entrer dans toute zone, il va entrer dans tout quartier populaire. Comme étant donné, moi, des fois, il est ensemble avec la police. Quelle attitude, quelle réaction, monsieur, ça va gagner vis-à-vis de policiers, bien peut-être capable d'accompagner, eh bien, machine SAO, machine CNE et camion qui vient lever Fatra dans la zone. Mais c'est que c'est vraiment important. Kounya là, nous prenons l'autre information ensemble avec nous. Sous l'écran, j'en ai regardé là, nous, ouais, c'est petit monsieur Axam. Ça, c'est petit monsieur Gressier. C'est même lui-même qui Gressier, qui Carrefour. D'ailleurs, c'est territoire que vous apprenez. Petit monsieur vivant ensemble. Eh bien, hier soir, faut nous dit que monsieur Sao, monsieur Axam, monsieur vivant ensemble, il a touillé trois mouns. Il a touillé trois mouns Carrefour. Et dans trois mouns Sao, il a touillé, il y a deux policiers là-dedans. Et comme dit nous, zone que yo touye moun yo, c'est
à Cachot 32, rue Genève. C'est là que yo rivé touye trois moun, j'aime dire gagné deux policiers. Policiers ça c'est des cadres au sein de l'institution policière. Kounyan là, monsieur pas seulement touye policier non, yo touye policier yo, yo allé ensemble avec corps policier. Son j'aime dire nous que monsieur a préparé mystiquement parlant. Et son j'aime dire nous que gagné plusieurs dans groupe de gang yo et mais qui commencé gagné des zombies la caillou et zombies ça yo c'est des zombies anciens policiers anciens chefs de gang qui tombaient et mais il a levé zombies yo yo préparé zombies ça yo pour que zombies ça yo capable attaquer policiers kenyans à chaque fois que policiers yo même yo rentré dans foyer de gang yo. À chaque fois que eh bien policier kenyan yo accompagné avec la police a rentré dans zone qui gagne monsieur Axamio monsieur Vivant Samio pour que yo capable voyer policier ça yo zombie ça yo eh bien attaquer policier kenyan yo hier soir yo l'autre fois encore malgré présence eh bien policier kenyan qui sous sol yo malgré présence touriste policier kenyan yo et mais qui vient poster qui vient marcher qui vient visiter Haïti monsieur Vivant Samio yo continue à prendre confiance qui fait que population kafouaza li pa konn ki côté pour le mettre colle par rapport avec monsieur Vivant Samio. C'est pas moi qui pral informer nous que journée jodiant et maintenant plusieurs foyers de gang et bien monsieur gang yo obligé prend carte électorale. C'est pas carte électorale, carte démalogue. Yo obligé prend carte démalogue et bien population nan souci pour que yo capable empêcher yo quitter zone là. Parce que automatiquement yo quitter zone là, yo pas ka servir ensemble avec population comme des boucliers, c'est dans objectif ça qui fait que journée jodiant yo rentré dans une telle pratique. Ah oui. Pendant que yo fait au connait que automatiquement yo a quitté zone yo, yo ba au bal dans tête, yo passé l'autre pour ba au dans tête. Yo ba au bal dans tête. Gen des zones, c'est carte électorale que yo prend, c'est carte des malots que yo prend. Ah oui. Jodi an la en dedans village de Dieu. Information t'a fait quoi que ils ont passé l'ordre ensemble avec tout chef yo, tout moun qui ensemble avec troupe liant, n'importe moun kap kite village là, qui gen valise nan men, qui gen valise nan dos. Depuis nous constater c'est rad qui nan valise là, bal. On dit que gen jeune garçon qui habite dans village qui pas bandi. Jeune garçon ça gen yon ti boubout. Jeune garçon ça, il habite village, eh bien, il gagne ma tante, il gagne cousine, il gagne yon nan mam famille quelconque qui rete dans l'autre zone. Li pa gen temps pour laver. Il décide prendre valise li, eh bien mette rad sale que li gagne dans valise yo, pote aller pour yo capable laver deux trois morceaux rad pour li. Ouè nan ki ka monsieur ça, jeune garçon ça ka tombé. Yo capable bal pour grand merci pendant que c'est pas zone dans la petite vrai. Parce que je dis, hein, monsieur lancé une opération, moun nan zone yo pas quitter zone nan. Parce que automatiquement moun nan zone nan rete nan zone nan, des fois nan coup de balle, eh bien yo pral di c'est massacre que police yo fait. Véritable objectif là c'est ça que lié. C'est ça que lié pour que population li capable rete nan zone nan et automatiquement population li rete nan zone nan li pral servi comme un bouclier. Et l'el rete comme un bouclier, et bien là ça yo pap ka fè n'importe bagay ensemble avec yo. Voilà véritable objectif là. Mwen di nou ça déjà. En dan viv ensemble, gen yon stratège. Et stratège ça, m'pa kwè se moun ki gen plus kòb la dan nan struktyo la. M'pa kwè se moun ki gen plus zam. M'pa kwè tout que se moun ki gen plus soldat. Men li se moun ki gen plus stratégie. Li se moun ki plus konn batay.
D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que journée aujourd'hui, eh bien, monsieur Vivant Samyo bal en pile confiance. Yo fait la pile confiance. Yo croit dans ça dit. M'a parlé de Jimmy Cherizier barbecue. Kounya là, est-ce que policier kenyan yo pral resi joine l'autre pour rentrer dans foyer de gang yo? M'pa kwè. Ça peut être capable fait. Même pas qu'on est qui l'est la fête. Mais jusqu'à présent, monsieur continue à prendre confiance. D'ailleurs, eh bien, hier, dans le Carrefour, plus précisément à Cachon 32, dans la rue Génère, eh bien, faut nous dire que, eh bien, si monsieur a tué trois mondes, dans trois mondes, ça a gagné deux policiers qui sont deux cadres au sein de l'institution PNH. Mes informations. C'est avec information ça que nous mettons fin avec édition spéciale ça. D'ailleurs, nous avons pris le plaisir pour que nous soyons capables de porter la caillou. Nous avons toujours dit que l'important pour que vous soyez capable de partager l'information que vous recevez sur la plateforme. Et le partager, vous pouvez demander à vos amis, si toutefois vous n'avez pas abordé ensemble avec la plateforme, vous devez faire parce que c'est le seul moyen pour que vous soyez capable d'informer en temps réel. Les que information lui-même livré sous plateforme non livré sous téléphone yo livré sous tablette yo livré sous eh bien ordinateur yo nous devons avoir plaisir pour que nous soyons capables d'informer vous. 25 juin 2024 gagne un groupe policier eh bien à bord de un avion qui relait Kenya Airways débarqué sous tamac aéroport international tout c'est l'ouverture. Policiers ça est rentré dans pays c'est après que premier ministre à l'époque là n'a parlé de Ariel Henry, il était fait de mode formel ensemble avec Nations Unies pour que yo capable aider yo par rapport avec situation que pays a gagné journée jodi. N'a rappelé que journée jodi Haïti a fait face avec un groupe armé, un groupe de bandes armées qui décidait de terroriser la population. Par rapport avec demande ça, Nations Unies, eh bien, il y a impossibilité pour que les capables faciliter la demande du Premier ministre Ariel Henry. Dans le cas ça, ils ont proposé OEA. OEA, dans tête. OEA, qui c'est organisation État américain, c'est plusieurs pays en Amérique eh bien, qui regroupent eux, qui forment OEA. OEA, c'est dans la tête li pour que l'État soit capable de bailler la République dominicaine mission ça, pour que l'État soit capable de venir mettre stabilité en Haïti. Par rapport avec conflit qui gagne entre deux pays ça, ils ont jugé que li mal. Eh bien, OEA, li tenté plusieurs réunions ensemble avec responsable leader politique en Haïti yo, pour que yo capable essayer joindre une crise vis-à-vis de problèmes qui gagne en Haïti mais malheureusement yo pas jamais joindre problème là. Nations Unies qui ça que eh bien yo décidé fait dans ce sens ça yo essayé by possibilité avec une force non onusienne, une force que l'ONU pas gain pouvoir sous lui pour que li capable eh bien vinn gérer problème qui gagne en Haïti là. Yon problème qui pratiquement dépasse force que nous gagne en Haïti. Et à travers force ça, yo baptisé mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Mais force ça, véritable pays qui pral mené force ça, li pa l'autre que Kenya. Kenya rentré en Haïti, faut nous dit que gen yon groupe de contingent qui rentré en Haïti dans date 25 juin 2024 là. Monsieur Sao, nous capable constater sous écran c'est dans le moment que yo t'a rentré dans pays yo fait photo ça prise de photo ça au fait par rapport avec
quantité de et policiers kenyans qui sous sol. Qui véritable mission policiers kenyans yo? Qui ça yo vin fè? Si c'est vrai dans un premier temps, yo te parlé que policiers ça yo vini nan objectif pour que yo capable bataille contre nèg ak zam yo. Véritable mission monsieur Sayo, c'est accompagner la police et l'armée d'Haïti dans bataille que yo gen pour mener contre gang. C'est pas moi qui pral apprendre nous que premier ministre Gary Conille li déclaré dans yon interview que li tabay Radio France Internationale RFI, policiers kenyan yo qui nan payan pas là pour faire opération contre gang ni récupérer territoire perdu. Mes missions sali attribué avec la police nationale d'Haïti, la PNH, et les forces armées d'Haïti, FADH. En gros, la police acclamée. C'est eux-mêmes qui gagnent mission ça pour que soient capables de faire opération contre gang et puis récupérer les territoires perdus. En attendant, interview ça que Gary Conille, le premier ministre haïtien, t'est octroyé avec nos confrères de la Radio France Internationale. En attendant. Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui. OK. Nous font petit camper vidéo, nous font petit camper audio. Journaliste a demandé Gary Conille effectif policier qui rivé combien oui. Gary Conille dit ils sont à peu près 200 au plus 200. Bon tunnel pour nous capables de gagner une idée de réponse Gary Conille Bail. Premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui. Nous accompagner. Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent. Ils sont à peu près 200, plus que 200 dans le premier contingent. Ça, c'est réponse que Gary Conille, premier ministre haïtien, baille ensemble avec confrère journaliste. Kounya là, même Gary Conille, ça, nous dit que lui déclaré, non micro journaliste qui était présent en Haïti, que les Kenyans sont au nombre de 400. Mais là, l'APC est gardé. Moun ki gen bon ti l'esprit kapab wè quantité Kenyan yo te wè sou ta mak lan li pa 400. Kounye la question a posé, est-ce que Gary Conille li menti pres la ou bien est-ce que Gary Conille gen yon bagay la kache ou bien stratégie? Question que n'a posé. On continue tande notre PM Gary Conille. Prochaine semaine, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre. Mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils se sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. La mission de cette force est évidemment d'accompagner
accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. Ok. M'bral tounel pour nous, pour nous entendre. Gary Koni dit, mission yo, c'est pour accompagner la police nationale d'Haïti. Mission la police, c'est pour capable de bataille contre bandits ensemble avec l'armée et récupérer les territoires perdus. Et policiers kenyans, ils ont une mission pour accompagner la police nationale d'Haïti. Monsieur le PM, moi d'accord que ce n'est pas vous-même qui demandez d'arriver force kenyan dans le pays. Tout le monde d'accord que ce n'est pas Gary Koni, parce que Gary Koni, il peut occuper poste de premier ministre à l'époque. C'est M. Ariel Henry qui lui-même t'a jugé que l'important pour que capable de gagner une force qui pouvait une bataille contre M. Sayo avec la police. Non pas pour te venir aider la police, mais pour autant, venir bataille avec. Il y a une grande différence, bataille avec et aider bataille. Oui, pendant qu'on aide une bataille, nous sommes capables de bataille avec. Mais, là que vous venez aider une bataille, il y a une série de bagages, c'est moi-même qui dois faire. Ou pas trop impliqué là-dedans. Est-ce que nous comprenons moins bien? Monsieur Gary Koni m'a posé une question ça kounya. Si toutefois la police a l'armée qui a bataille contre bandits, nous sommes obligés de faire appel ensemble avec les policiers kenyans. Dans quel objectif nous avons fait appel ensemble avec les policiers kenyans? Pour qui ça, toute l'argent ça yo, obligé de dépenser pour que vous venez? Je pose une question. Pendant que nous connaissons la police ensemble avec l'armée, t'es capable. C'est vrai, ce n'est pas vous-même qui t'es demandé présence, M. Sao, M. le ministre, M. le Premier ministre. Mais pour qui ça, les États-Unis, pas faciliter nous équipement, nous gagnons l'armée d'Haïti, nous gagnons la police nationale d'Haïti, à la disposition de deux forces yo, pour que deux forces yo capable mener bataille là. Laisse ça, les États-Unis dans période là, t'es capable faciliter avec plusieurs agents au niveau de la PNH ainsi qu'au niveau des forces armées d'Haïti, des formations pour que yo capable manipuler matériel yo. Pour qui ça, c'est pas ton bagage comme ça qui t'a gagné, au lieu que nous te prenons, un groupe de policiers qui a bien aidé dans qui sens. Pendant que nous payons, yo. Jodi, on m'a parlé pour policiers kenyans, yo. Pas oublier, c'est pas seulement des policiers kenyans qui fait partie de, contingent, de force. Gagner plusieurs l'autre pays qui a envoyé des policiers. Parce que nous connaissons Jamaïque qui a envoyé. Nous connaissons Bénin qui a envoyé. Tchad a envoyé. Nous connaissons tout Salvador a envoyé. C'est ensemble pays ça yo qui a envoyé plusieurs policiers. Et ce n'est pas seulement policiers, il y a tout, il y a militaires qui sont venus. Kounya là, nan ki objectif, vrai objectif, arriver pour ça. Pendant que vous allez aider la police, et vous avez sous l'ordre de la police. C'est nous-mêmes, ou bien dit, PM. C'est nous-mêmes qui avons dit qui gens doit aider nous et nous avons besoin dans qui sens nous avons besoin. C'est ça, dit PM. Sauf si moi mal comprendre.
on essaye tande encore premier ministre Gary Coney qui tape essaye répondre question ça. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée. La reprise, le lead de ces opérations et la reprise des territoires perdus, ce sera toujours la police et l'armée. Moun kap lead opération ap la police. Jusqu'à présent, pas de problème, c'est la police qui connaît qui ça monsieur gagné, qui ça qui côté yoyé. Jusqu'à présent, pas de problème. La police est capable toujours mener opération. Et là encore, gen moun qui capable toujours dit que monsieur qui vient là au formation police et militaire. Cartographie Haïti nan men yo. Est-ce que tu as besoin de la police? Oui, tu as toujours besoin de la police. Tu as toujours besoin de la police. Mais est-ce que la police a besoin de lead opération, mener opération? En avant CPM. Nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou a une valeur ajoutée, évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. Que la... PM, nous pourrons laisser regarder comment, dans quel contexte, comment ils doivent aider nous. Jodian, nous comptons ça, PM. Est-ce que c'est Jodian, en tant que Premier ministre, Gary Coney, est-ce que c'est Jodian ou comptons ça? Parce que depuis la signature, eh bien, résolution pour faciliter au vidi, ça t'est déjà discuté. En avant CPM. De police, c'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète et le succès de l'opération, de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Déjà, nous permettre de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Alors, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment, avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, ça je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout. Ok. PM n'a dit, li connaît que gang yo gen mouvement que a préparé, yo a fait. Mais li pa connaît qui ça a fait, sauf que li connaît nan yon délai qui pas trop loin, l'État qui est pour reprendre contrôle territoire perdu. Quand il y a la PM, il y a une déclaration que vous faites. Ma privé sous déclaration ça. Jodian ou dit que ou pas écarté possibilité de négociation avec les gangs. Ou pas qu'on négocie avec eux, mais ou pas écarté possibilité de négociation. Oui ou dit-il? Ou dit de manière voilée. Ou dit seule façon pour que nous capables négocier un pour gagner eh bien déposer les armes, n'a vini sous ça. Deux pour gagner reconnaître autorité de l'État. Premier ministre Gary Coney, c'est seul moyen ou dit nous capables négocier ensemble avec gagner. Jusqu'à présent, il y a un problème. Nous avons toujours négocié jusqu'à présent. Non, soit dit en PM ou pas dit, remettre les armes. Ou dit déposer les armes PM. Pendant dit déposer les armes, yo ka prendre les armes, yo déposer en bas terre. Yo capable de déposer dans yon point pour yon négocier avant. Parce que, attention, il y a une grande différence, et pas moi-même qui va dire ça PM, entre déposer et remettre. Déposer les feuilles.
Nous t'es l'école, nous t'es qu'on dit nous ça. Déposez les feuilles. Tout élève gen pou yo kapab déposer feuille yo sou ban. Yo déposer feuille lan PM. Déposer zam nan vle di, yo kapab déposer n'importe côté. Comme yo di sou ban moi di sou ban. Déposer feuille, n'kapab déposer nan valise moi, n'kapab déposer nan poche moi, n'kapab déposer sou ban. Là on dit déposer les armes, yo kapab déposer. Là jusqu'à présent, en aller. En tant que autorité, l'ordi m'kounya la, yo dwe reconnaître autorité de l'État. Nous pas prendre mon PM en tant que chef, pas oublier, ou c'est chef Ganconi, ou c'est chef, ou c'est le chef du gouvernement, ou c'est le chef du gouvernement. On rappelle. Si ou c'est chef gouvernement, pour faire reconnaître que ou c'est chef, ou poser action. Eh bien, ce n'est pas moun qui pral reconnaître que moi, c'est chef sans que je ne pas poser action. D'ailleurs, chef langon ton que li bay. M'pense le ta pissage PM, si toutefois ou te dit que mais monsieur ou doit remettre zam. Et si ou pas remettre zam, en tant que chef, nous-mêmes nous pral chercher zam sa yo. La population haïtienne n'était capable plus en confiance. Mais en tant que chef, l'on dit, yo doit déposer les armes et yo doit reconnaître autorité de l'État. Reconnaître autorité de l'État, vle dit qui ça PM. Est-ce que peuple haïtien doit gagner confiance dans discours ça, dans mode de discours ça PM? Peut-être c'est politique. Derrière tout ça qu'a dit dans politique, il y a des messages voilés. Derrière tout ça qu'a dit, il y a un ensemble de manches que vous quittez. Bien peut-être c'est ça PM. Mais à travers émission ça jodiant, moi te voulais attirer attention population haïtienne nan, sous interview ça que ou te bay bien confrère nous yon nan Radio France Internationale RFI. Parce que il y a un pile point important population peut-être qu'a pas comprendre, mais nous-mêmes en tant que journaliste, nous décortiquer ça qui dit à ça qui pas dit qui gens yo doué well kounya là. Est-ce que pile million n'tande qui ka ramasse tel pays qui a dit 200, tel pays qui a dit 100, tel pays qui a dit 300 yo a bay là? Est-ce que tout million ça pas ka vini pour aider nous renforcer police pour nous un meilleur corps de police et pour nous un meilleur corps militaire PM? Nous dit ça, c'est pas ou même qui t'es signé, c'est pas ou même qui t'es fait demande, c'est considération que nous gagnons pour jusqu'à présent PM. Mais je dis en PM, si monsieur Sao qui sous écran là, jusqu'à présent, après plusieurs semaines que vous gagnez dans le pays, jusqu'à présent, c'est ça qu'on fait PM. Meni, c'est ça qu'on fait. Vous fait visite, vous fait touriste. Vous fait défilé. Vous montré aux gros dames, vous avez casque. Pendant que vous avez un groupe, monsieur, eh bien, qui n'a pas peur présent sur ce sol-là. Ce n'est pas moi qui ai dit PM que, eh bien, si monsieur Gressier, si monsieur 103 zombies, ils ont énième fois, je dis, ils ont attaqué le commissariat Gressier. Malgré la présence policière kenyan au PM. C'est pas moi qui ai dit que, eh bien, chef gang, Badelma, propre parole vivant somme, Jimmy Chéris, il y a plus de monde qui connaît son nom barbecue, eh bien, malgré que force là, il a toujours montré troupe liant, il a montré monsieur Ogenzam, et pour le ridiculiser, il dit pas qu'on est, si il y a Kenyan, Kenyo, Keo, il pas qu'on est non, yo. Mais il connaît que, il est prêt pour le bataille, et troupe liant prêt pour le bataille. Li pap dépose zam comme ça. Lors il dépose zam nan. Li dou ça déjà. Li pa yon problème pour négocier avec ou.
Mais pas penser que l'ICE est garé, l'ICE est bête dans le bois, l'ICE est macaque, ou pral zil de déposer des âmes. Non. Souka vin prez amyo, vin prez amyo. Et l'ICE est dit que, il pas de jambes pour nous que, comme il pas de jambes pour nous comme un leader politique qui va les âmes dans le ghetto. Que moun qui te ba les âmes, vin prez amyo. Ou même sous besoin, ou vin prez yo. Li voye message ba ou, ok? Li voye message ba ou. PM. Zami internaute, je pense que nous prenons un complot. Complot nous prenons, est-ce que l'international la donne? Est-ce que Gary Pony c'est un joueur de international? Est-ce que Gary Pony vini avec un objectif pour que les capables résoudre le problème qui est là? Jusqu'à présent, n'a pas suivi. Quatre pelouses dans même. Même toujours dit ça, l'important pour abonner. Et nos abonnés, nous jouons plus force, nous jouons plus courage pour que nous soyons capables d'informer. Pas oublier. Abonnez et l'information arrive sur vous. Partagez ensemble avec un bien proche, partagez avec la famille pour que vous soyez capables d'informer en temps réel ensemble avec vous. D'ailleurs, plateforme ça, c'est une plateforme pour faire ni buzz, ni vacam, ni craser moun, ni la pour nous la pour informer. Et formé dans tout sens dans le professionnalisme. Ou bien intérêt pour que vous soyez capable d'abonner. Nous te prenons plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec vous. Restez connecté et nous disons ça, les que vous abonnez, eh bien, automatiquement, information en li tombe, ou ap genye possibilité pour que vous soyez capable de joindre information ou pour capable informer à travers de notifications et laisse ça ou ap gen possibilité pour que vous soyez capable de suivre information. Nous te prenons plaisir pour que nous soyez capable ensemble avec nous pour nous soyez capable porter information ça au coup.